Ils soldent Steam? Bah du Steaming. Sold Steam d'été. T'as vu sur Humble, là, ils font un pack... un Jumbo Pack. Non, j'ai pas vu. S'il y a un éléphant dedans. Avec Van Helsing... Je vais pas te presser. Hein. Il y a pas eu de festin? Je vais mettre un tas de nouilles au prochain. Ok. J'ai un banquet si tu veux. Non, mais c'est bon. C'était juste pour savoir si je suis le seul qui a loupé quelque chose. Ok, je fais l'appel. Hop, merci. Hop. Ah ouais, d'accord. Okay. Pas besoin d'appel. Effectivement, ça pourrait faire un peu Metroid. Le boss lui-même a un aspect qui n'est pas forcément habituel de ce qu'on retrouve dans World of Warcraft habituellement, enfin dans l'univers de Warcraft. Vas-y, récupère. Pendant que je parle, il y a Otep qui a failli mourir, je pense qu'il a. Il a dû reprendre l'agro du boss. Il y a des failles derrière vous. Tisane dans 2 secondes. Paquez-vous. Pour ceux qui regardent mes vidéos sur YouTube, bannissement. Vous pouvez reconnaître que c'est le. C'est un combat que j'avais filmé, justement la première fois c'est qu'on l'a tombé, j'avais filmé. Kemiban. Voilà, le fameux fragment que j'indiquais avant. Puis là, il n'y a pas de faille. Emprisonné dans cette zone là-bas. Mais vu qu'il y a les prisons, je vais le faire après. C'est parti pour l'emprisonner. Bah voilà. Il y a plein de gens pas buffés là, pensez à aller prendre vos machins. Ouais, j'y vais. Ah merde, j'ai le boss, quel con. Bon bah j'y allais mais je fais voler mon truc par Solto. Ah bah écoute, le gros s'il vous plaît, Paul Kick. Vas-y récupère. Mais tu la vois la dot, c'est son mire. Un CD si on peut. Ouais, c'est pas la peine que je te dise de le récupérer. Non, non, tranquille. Là, les fameuses failles. C'est vrai, il est pas mort Magic. J'ai. Si quelque chose que j'ai pas indiqué avant, c'est qu'on voit qu'il y a régulièrement sous nos pieds des choses qui apparaissent, de là, des flaques. Attention, petit zade. Faut que je récupère les zades. Faut pas rester dedans, tout simplement. On voit par exemple que Bartiméus et moi, Kemi, TFQ, on est tous à 15% ouais, d'orgueil, bon. Voilà, la corruption. Vas-y, récupère. Donc ça monte de toute façon, dans 6 secondes, même si on je prends l'extérieur. Même si on le fait le plus attention possible, ça monte cet orgueil. C'est parti pour l'imprisonner. Par contre, on peut l'éviter en faisant les choses bien. Ouais, des fois j'ai le réflexe d'appuyer sur mon bouton de push to talk. Il y a un gros zap derrière le vous. Le gros pop. Je t'ai vu, Kemi. Je t'ai repris. Ah, j'ai cru que je l'avais pas pris. Ouais, tu l'as pris. Attention. Je te reste. Comment t'as encore réussi à mourir? Il y a eu l'orgueil alors que j'étais en train de d'aller prendre une flaque. Pas, hein. Une faille. Ça cause de Kemi. Il faut connaître le temps bien précis pour aller chercher les flaques. S'il vous plaît. Paquez-vous. Attention au plus des autres gens. Attention au bannissement. Kimi ban. Ah, donc là on voit que je suis mort juste avant. Pourtant j'ai encore l'orgueil qui a. C'est enfin, elle a pas baissé. Je prends l'intérieur. Pas tout. Le gros pop. CD. Attention. Il y a deux flaques sur la droite. Pour ceux qui n'ont pas de débrouille. J'ai la gauche. Je te l'ai repris. Tisade, 5 secondes. 3, 2,
Paquez-vous. Voilà, on tue les ZAD. Revenons sur notre droite. Donc là, vous pouvez voir que le. Je sais pas ce que tu fous, là. J'ai été chercher une faille. L'orgueil est assez élevé, par contre, on va tous. Emprisonné, 4 secondes. Mais j'ai pas vu que j'avais le debuff. Regarde, tu aurais bien été. Parti pour la prison. Ah, pareil, je pense que. Ah, j'étais dans la prison. Le gros pape. Voilà, comme je disais, en fait, dès que le boss passe à 30%, en fait, on perd l'orgueil qu'on a. Par contre, si on le regagne beaucoup plus vite, il passe dans une phase d'enrage. Donc voilà, là, ça devrait être dans pas longtemps. Et là c'est reparti, sauf qu'il est déchaîné. Ça fait super mal. On évite de se paquer. Pardon. Et on se rapproche des tanks à chaque fois. Non, non, Arthéon est pas là. Il est pas dans le raid. Qui paraît que Red Bull est un rageux. Secondes, je prends l'extérieur. C'est parti pour la prison. Prison, Kemi. Je vais mourir. T'as les deux meilleurs. Le gros pop. Je sais pas que vous avez des bonbons et des CDD. Je lance mon arrière. C'est ton soutien. Là, c'est bon. Nom de Dieu, où est-ce qu'elle est? Meilleur temps dans 7 secondes. Je pense pas qu'on batte leur cours. Bon, brouillez-vous parce que les heals sont bientôt à 100. Les ZAD dans 5 secondes. Ça va commencer à puer là. Il fasse le soutien ou pas? Non, j'ai le totem là. Ouais, non, on est pas assez stacké. C'est 40 mètres quand même. Ah. Parti. Je te le prie. Mais t'es où, bordel? Avec tes putains, t'es au cac avec. Avec les tanks. Devant les tanks. Hein. Emprisonné. Je prends l'intérieur. Milliers. Prison. Le tour est dessus. Y'a plus personne d'autre. Désolé, Kemi, tu vas mourir. Pas moi aussi, je suis mort. Les derniers qui peuvent taper. Ah, c'est Otep qui était en prison. Ouais. Désolé, aucune solidarité. Pas, tout seul. Ouais, si, t'as vu, mais bon. Moi, j'étais là, quoi. 2, 1, attention. Ouais, c'est trop parfait. Le burst de corruption à la fin là. Moi j'étais prendre une faille en dessous de 30%. Et il y en avait beaucoup à la fin. Putain. 3%. Non, mais ça c'est normal qu'il y en ait beaucoup à la fin, mais Ouais, je sais, mais en prendre moins. Chacun une avant. Oui, oui, bah bien sûr, bah, ça on essaye de le faire, hein, je pense. Enfin, je pense que tout le monde essaye de le faire. Ouais, ouais, surtout celui qui sort de la prison des temps, qui peut souvent, il y a beaucoup de flaques sur la. À l'endroit où les tanks ne tankent pas. Bah, il y a eu beaucoup de morts aussi, on a eu un peu de DPS en moins. Voilà, mais... on a entamé l'exec avec 2 DPS en moins. Ouais, 2 DPS en moins, bah forcément... Putain, c'est encore une déco, ça me saoule. Mais moi ce que je comprends pas, c'est que ça sert à rien d'aller sur les gardes tout à l'heure. Tu dis, Barty, fragment.
Putain, je t'ai cherché, je me suis dit, mais ben, si, il est où, faut aller sur les tanks, quoi. Pour, et, vu tous les adds qui pop, quoi, et qu'on n'est pas paqué, plutôt que de disperser les adds, il faut se rediriger vers les tanks. De manière à ce que les tanks puissent prendre l'aggro facilement, quoi. Une fois qu'ils t'avaient repris l'aggro. Ah ben enfin... après, moi je me suis dirigé vers les tanks, j'ai été fragment. J'ai été le fragment. D'accord. Désolé que. Que j'ai été le fragment. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller si loin, quoi, tu vois. Et s'ils tankent à peu près. Merci. S'ils tankent où il y a ma fusée. Toi t'étais presque du côté de la prison, quoi, tu vois. De leur prison à eux. J'ai une déco, hein. Ouais. J'arrive pas à me reco. En fait, tu dois quand même venir ici pour prendre tes nouilles. Merci, Crevel. Là. Bon, j'ai le temps de changer mon arme, le temps qui est mis sur coup. On n'avait pas dit pas d'optimisation pendant les raids. Qui a dit ça? Tu veux un TPQ? Ouais, si c'est possible. Ouais, bon, moi je te fais ça. C'est le même bâton de toute façon. Et t'as l'enchantement ouais, c'est d'arme même, au moins? De quoi? T'as l'enchantement d'arme pour mettre dessus? Parce que si t'as pas d'enchantement d'armes, ça sert à rien d'avoir quelque chose. Je suis enchanteur et j'ai des compos si vous voulez. Non, ça va aller, merci, c'est gentil. Je vais rester là finalement. C'est quoi qu'il te faut sur ton arme danse d'acier? Danse d'acier. Ouais, ouais. Non, non, mais, non, non, mais c'est bon, on va arrêter de le PL, lui, hein, c'est... Merde. Mais non, mais moi, ça me dérange pas de faire l'enchant, de toute façon, quoi. Mais si, Barty, on arrête pas. Il fait quelque chose pour nous, à part... J'ai compo pour le faire, si vous... s'il veut. Bah, non, non, t'en fais pas, je ferai... Tu me fais payer 3000 PO et je t'en prends 1000. Merci, Tab. Non, non, mais bon... Une danse d'acier sur mon bouquet de roses. Ça va pas le faire. Pour les prochains défis pour WOD, tu t'oublies pas de le garder. Ah bah c'est essentiel. Ah bah attends, c'est grâce à ça qu'on a fait 3 donjons de défis gold, hein, quand même. Ouais, quand même, avec ce joli bouquet. Ah, c'est lui. J'ai pas de bouquet de rose, moi. J'ai dû le jeter. Ah non, quoi que. Ah non, c'est des fleurs printanières. Pas tout à fait la même chose. Là, ah bah si, bouquet de rose rouge. Je fais un appel. Vas-y. Il y a quelqu'un. Faut que je fasse un peu de place dans cette banque. Pas là. Si, Kemiko. Kemi. Ah si, c'est bon. Kemiko. Là, Kemi. Ouais, Kemiko. Kemiko. Kemi cacao. Ok, j'y go. On fait un petit rebuff complet, critique, endu. Ouais, ça par contre, ce sera pas de refus. Des bonbons aussi. Je pense que pour les tanks aussi, des bonbons. Non, moi je nique pas trop, mais bon, s'il y en a, je vais prendre. Il a ça. Ah, si ça. Ouais, ça a peut-être coupé. J'ai pas vu, j'étais concentré ailleurs. En tout cas, dans le logiciel de streaming, là, j'ai pas de perte d'image. Donc ça on voit bien. Mais après, voilà, il y a peut-être eu un petit bug ailleurs. Tout le monde a ce qu'il faut, c'est bon? Oui. Non, j'ai pas eu de loot. Non plus. Allez, allez, go, go, Lyon, il arrache sa tête. Et... Go, go, Power Rangers. 5, 4, 3, 2, 1.
petit zap, 5 secondes. Cette fois, je vais essayer de pas mourir. Hein. Fragment sur la prison de gauche. Je te l'ai repris. Taille. Je voyais pas. Suis-je emprisonné? Putain, la burne. Le gros pop. Je te laisse. Attention. 10 à 5 secondes. Bloquez-vous. C'était chaud là. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé ma ceinture d'ingénieur qui me permet normalement d'avoir un sprint. Sauf qu'il y a des moments où c'est qu'il y a des fuites. En gros, c'est comme si le moteur qui explosait. Donc là, j'ai pas eu le sprint et en plus, je prends des dégâts. 6 secondes, je prends l'extérieur. C'est parti. Merci. Le gros pop, il y a deux failles sur la gauche, sur la droite derrière. Je te l'ai appris. Ça va, Willow? Je sais pas, dit une fois. Parce que j'étais pas dans le même sens que vous. J'étais pas face au boss. J'allais en direction du Once. If once. Tizad, paquez-vous. Est-ce que j'ai pas forcément précisé avant par rapport au... Il y a les Tizad qui arrivent. C'est qu'au moment où c'est qu'ils apparaissent, en fait, ils font... Ils font mal. Pour ça qu'on prise les 6 secondes, je prends l'intérieur. On se pack, on les laisse. Puis dès qu'ils commencent à apparaître. Pour l'emprisonner. Bah on s'éloigne. Le gros derrière. Bon, ça se passe mieux que la fois d'avant en tout cas. Désolé. J'en sais. Ah, il faudrait que je lance au clavier. Là, je lance à la souris parce que j'ai normalement le temps de lancer ce genre de sort. Je te remercie. Je peux avoir suffisamment à l'avance. Mais... Ce serait quand même un peu mieux de le. Surtout que je peux le lancer au clavier. Sur mon gamepad, j'ai une macro qui permet de lancer. Paquez-vous. Voilà, donc là, comme avant, le boss, il a 32%, qui va passer à 30% dans pas longtemps. Emprisonné, 4 secondes. Et il y aura de nouveau cette phase, c'est que tout se passe beaucoup plus rapidement. Non, merde, enfoiré, putain. Je l'ai repris. Voilà, et là, j'attendais juste d'avoir tous mes sorts prêts avant de commencer à DPS. Pizza, 5 secondes. Le gros derrière. Donc là, contrairement à avant, en fait, on prend plus le temps de vraiment tuer tous les petits ZAD
et qu'on les laisse être récupérés par le tank. Très cool. Finalement. Vas-y, récupère. Sortez-moi de là ! Il flippe tout seul dans son labyrinthe. Je t'ai pas entraîné sur Pac-Man. C'est parti pour l'emprisonner. Je vais prendre. C'est bien. Attends, je prends ma prison. Tu veux peut-être pas le soutien maintenant ? Ça sert à rien. Non, ça, on est percepteur. Je l'ai appris. Mais oh, ton le gros derrière. Coup, voilà, 10%. Normalement, ça devrait passer. Il nous reste 4 minutes. Allez, c'est en conséquence. La flèche verte, où est-elle ? C'est bon. La panique. Vas-y, récupère. Les 75, cassez-vous de vos compagnons. Il y a des gens si vieux. C'est mon année de naissance. Vieux dit. Gégé, gégé. GG. Gégé. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici ? Le plastron. Ouais, je l'ai déjà. Et la gouttelette, pas pour moi. Moi. Il y a la tête là, mais. Et pas pour moi. Je sais pas. Tiens, GG pour ta pierre runique, Q. T'en as combien ? Oh oui. Énormément. Des milliers. Je veux bien la tête, hein, du coup. Je suis quand même enchanté maîtrise. De même. Ouais. De toute façon, y'a que toi qui peux nid, donc. Bah non, y'a que moi qui peux nid. Effectivement. Le torse en SP2, si personne ne le prend. En SP3. À moins qu'il y a déjà peut-être des... Champion, avec moi. Il est temps SP à jouer. Avec notre chef de guerre. C'est bon, ouais, on est lent et nul. Il est lent et nul. C'est ça. Nos ennemis seront abattus. On a déjà été plus lent et plus nul. Ouais, ça, effectivement. Mais on a été beaucoup plus rapide aussi. Et moi, la semaine dernière, là, ça a filé. Hein. Tac. Oh, je sais pas pourquoi, mais j'ai, enfin, j'ai une petite idée. T'as Red Bull, t'as fait un jet de besoin de 1. Tu devras avoir... Moi, je déletterai le truc. Hein, place, hein. Oh, je vais avoir enfin deux pièces. On devrait peut-être l'appeler la poisse, et non pas Red Bull. Ouais, moi je retourne à New York quand vous voulez, hein, si vous me payez le billet. À New York. I want the beast to fly. Alors, farouche. Hop, on lance, et les payo. Moi j'hésite à claquer une breloque pour speed. Ouais, moi je l'ai, hein, prison d'orgueil prismatique. Moi j'ai oublié de faire mes breloques. Même Q les a fait, bordel. Ouais. Merci Mia. Faut dire que je suis arrivé chez moi à 20h55. Le pauvre est obligé de me prendre par la main. C'est ça, vous me prenez pour un gamin maintenant, j'y réfléchis, j'y repense. Ah, ça devrait te faire plaisir en tragédie. Genre, on peut pas lui faire confiance, il faut que. Tu tournes, guild. J'arrive en mode sauver Willy. T'es un orc ? Oui ! Si tu veux sauver Q, ce serait pas mal aussi. Ouais, ça aurait été pas mal, ouais. Toku Willy qui est même pas là. Y'a aucun heal qui est là, qu'est-ce que vous avez cru aussi ? Là, bah, il est encore en caveau, là. Qu'est-ce que vous faites, hein ? Une dégustation ? Elle est partie expliquer, là, je sais pas ce qu'elle fout. Expliquer quoi ? Je t'explique la strat. Speak English. Attends, je vais passer tank comme ça. Pour aller jusqu'à Garrosh. On a pas un icône pour se foutre des grosses croix là sur l'île, qu'on les repère tout de suite.
il devrait faire plutôt que refaire les nouveaux persos en plus beau. Une option que tu coches, c'est que les persos c'est des rectangles. Ah ouais, c'est juste des gros, bien. Juste des gros cylindres de couleur. Ce serait pas mal. Comme à Quake. Au début de Quake, il y avait une version, il y a une option comme ça pour. Enfin, Quake, c'était Quake 3. Red Bull veut pas me laisser mon siège. Ça fait bizarre d'entendre. Virages, bordel. Non, je comprends rien, c'est Bine quoi. Non, ça fait vraiment bizarre. Reprenez vos micros normaux. Ça me perturbe. Bon, top, ça va encore. Top, elle parle pas. Après, arrête, je pense que le problème, ce soit pas le micro, mais. Salut, je fais que des absorbes. Allez, merci. Allez. Allez. Ah bah après il nous dit que Tab elle est pas là et tout. En fait c'est juste qu'il l'empêche de jouer. On sait que je sais pas où et comme elle était plus près, vu que je faisais le con dans l'eau là, j'ai pris son perso. Trop occupé à sauver Billy. C'est voilà. Bon, bah, ça va être normalement le dernier buzz de la soirée. Donc, nous, de toute façon, on arrête plus ou moins toujours vers 23h. Donc là, ce boss, il y a deux parties complètement distinctes. Donc, il y a d'abord une première partie où c'est qu'il y a, on va être en bas, il y a plein de vagues d'aides qui vont arriver à intervalles réguliers. Il y aura des chamans qui peuvent soigner les autres, apparemment, il y aura des dragons. Il y aura des machines de guerre aussi. Et il y a certains DPS, donc il y a des groupes qui sont formés, qui vont monter dans cette tour et dans cette tour pour harponner le boss qui va voler au-dessus de la zone pendant ce temps-là. Et dès qu'on aura harponné le boss, donc on sera monté dans les deux tours, bah, le boss arrive, puis à ce moment-là on doit le tuer. Donc pour la partie quand il y a le boss, en fait, il lance des boules de feu sur un joueur. Et ce joueur doit se mettre en arrière pour que la boule de feu traverse tous les autres, parce que les dégâts sont partagés entre toutes les personnes qui reçoivent, qui sont traversées par cette boule de feu. Par contre, après, ça donne aussi un debuff qu'on doit pas trop cumuler vu qu'on se prend des dégâts. Donc c'est tout un équilibre. Ah, voilà justement le boss qui est là. Galakras. Galakras qui est monté par Zaella, qui était un PNJ donneur de quête à Cataclysme. C'est assez drôle de voir qu'on retrouve là comme boss des PNJ ou autres qu'on connaissait. Donc là on va pas pouvoir aller jusqu'au général Nazgrim qui est encore un boss plus loin, mais lui c'est vraiment typiquement au début de la Pandarie, une bonne partie des quêtes du début c'est avec le général Nazgrim. Et puis maintenant on doit le tuer parce qu'il reste fidèle à Garrosh. C'est assez intéressant je trouve cet aspect. C'est vraiment, c'est pas juste des gens qui sont là par hasard, mais c'est les généraux et les troupes de Garrosh. Oui, j'ai compris. Faut que je me pack avec le violet avec Red Bull. Ouais. Apparemment on a oublié de faire quelque chose. On a oublié d'habiter toutes les sur la vers l'intérieur. Tous les canons. Où j'ice block et je reste dans le temps. C'est ça. Vous pensez avoir gagné ? Nous sommes des hommes ! Notre sang est pur ! Notre sang. Ah là là, il y a le message de Zaella qui confirme bien qu'on a détruit toutes les tourelles. Pour la première partie, qu'on a les ZAD, donc bien sûr ils nous font mal. Mais ils peuvent aussi en fait attaquer, il y aura toutes des troupes qui sont avec nous, qui vont apparaître ici, dans pas longtemps. Et il y a justement certains de ces mobs qui vont cibler. Les PNJ amicaux qui sont avec nous, puis s'ils les tuent, ben on perd le combat aussi, donc on doit les interrompre. Je lance des qui sont là. Voilà, les fameux PNJ. Bien joué. C'est parti.
Donc lui, Lord de Martheron, chef des élèves de sang. Sylvanas, c'est la chef des réprouvés. Et lui, c'est le chef des saccages soleil. Donc c'est les élèves de sang qui sont entre autres à Dalaran. Enfin, qui ont été virés de Dalaran, pour ceux qui suivent un peu l'histoire. Donc c'est les trois PNJ qui doivent rester vivants. Certains d'entre vous devraient rester en arrière pour protéger la tête de pont. Va pas se casser drôle. Si, il faut protéger Kyo. Ah, le fameux broie les os là que justement bon, qu'elle est bon, attaquée à PNJ. Si c'était stun, t'abuses. Non, non, non. Faya est immobile, on doit pris de dégâts. Si, alors que Mar il a pris 6%. Bah, je vais l'impôt, il va plus avoir de dégâts, tu vois. Je vais te coller une sphère. Oui, vous l'avez monté de 1%. Hein. Eh ben, ça fait plus que 5 attends, hein, à remonter. Un afflux de soins, c'est bon. Ouais, tu fous mon AOS ou le cube, il est où ce con? Ah, donc là, il y a. Bizarre, c'est pas de paquet comme tout le monde et de trop traîner avec Barty, mais. Hein. Il y a des chamans, donc qui peuvent soigner les autres. Con, dommage. Donc, je sais qu'on les cible en priorité. Ah non, c'est même pas un mage. C'est quoi comme sort? Là, on a vu qu'ils viennent se faire soigner. Donc là, pendant cette partie-là, il n'y a qu'un seul chaman. Par contre, il y a une des vagues d'âme, c'est qu'il y en a, deux. Donc une vague un peu plus difficile à appréhender. Là, il y a les porte-drapeaux là qui font apparaître des bannières. Bannières qui vont buffer tous les mobs. Donc de nouveau, quelque chose à des pop rapidement. Voilà, puis là, un des généraux, les Aela. Il y a deux généraux qui vont venir. On peut descendre sur le toit. Les archers, c'est bon. Là, il va nous suivre. Là, je vais essayer d'éviter de rester dans l'œil des flaques, comme ça m'est déjà arrivé. Et voilà. La machine de guerre. C'est pas moi qui m'occupe de la bannière. Non, c'est une chanson. Ah bon? Eh oui, putain, tu vas voir la suite. On y va, la tour. Là. Le démolisseur est détruit. La tower, bim. Je dirais même qu'il est démoli. Oh, bon, nous dites dès que je peux y aller. Allez, c'est parti. Là, je dois avouer que je suis en train de attaquer les monstres par le côté, les dragons, les drakes. Je sais même pas si c'est ça, mais enfin, la plupart des drakes dans World of Warcraft, ils font mal si on est devant, bon, on se prend le souffle, puis derrière, on peut se ramasser des coups avec leur queue. Donc c'est en général, il faut se mettre sur le côté. Donc je dois avouer que là, je le fais parce que plus par habitude de me mettre sur le côté sur ce genre de mob. Attention, l'escalier. C'est parti pour les bumps. Il était. Dans le cristal. Tous les blessés reprennent en queue. On descend. Oui. C'est un petit temps qu'on n'a pas entendu sur le toit. Il est timide. Son micro pété. Ah, c'est ça. C'est son chat qui est en train de jouer. Ouais. C'est où? J'ai oublié de claquer la ruée. Ça me semblait suspect tout ce skill. Le Zarbaz a besoin de quelqu'un pour le
Et salut pour Vinzac pour la prochaine tournée. Hier. Oh, c'est une chanson. Si. Là maintenant j'ai besoin de quelqu'un. Oh bannière. Au niveau de la tournée. Pour moi. Bah, oh bah non, je vais le feu d'en bas, je crois. Ah oui, oui, exact. Bannière. Je vois les os là-bas. Oh. Je vais le bum, je vais le bum. Je vais le bum. C'est bon. C'est bon, la porte est ouverte. Hein. Ouais, le deuxième tour. Bientôt avoir le boss qui va venir. Là il y a le démon. On parle très longtemps. Donc, vous allez pouvoir y aller. Le bois, le bois. C'est le bump. Ok, on y va la tour. Kill Tower. Fais gaffe que tu as un. C'est bon, tu peux les regagner. Bon. Ouais. Hop. Putain. Fais gaffe, vous êtes devant moi. Oh ouais. Voilà, le chaman est fait. Après, on va voir quand est-ce qu'ils. Quand est-ce qu'ils vont déclencher le combat. Bon, là, il y a un nouveau chaman qui est arrivé, donc forcément, on déclenche pas le boss tant qu'il y a un chaman. Bannière, s'il vous plaît. Pourquoi il bouge pas Ah, c'est niqué, bro, les os. Tu peux aller de l'autre côté. Hein. Ouais, je vais y aller. Je descends. Vous en êtes tout dans les tours. Là, je suis en train de monter dans la tour. Là. Bah. On a 40 bonnes secondes là, donc s'il y a moyen de lancer avant. Je suis en place. Il y a moyen de lancer de l'autre côté, Kémy? Bien sûr. Parce qu'il reste 30 secondes, donc go. Ouais, Là donc. On passe en P2. Phase 2, il y a le boss qui arrive. On se place nous-mêmes. Bon là, il y a encore une aggro jaune là. Non, non, c'est sur ma tronche là le boss. Je suis dans son aile. Avance vers le vert. Ouais. C'est bon. Je vois pas le vert, il est en plein milieu de mon écran. Ah non, c'est parce que t'es daltonien, gaucher, et je sais plus c'était quoi le troisième. Là, je suis à deux stacks donc j'ai des buffs. C'est pour ça que je me mets. Oh, c'est un truc marrant. C'est marrant. C'est des devs, tout le monde. Je te le reprends. On va déstacker, on revient. Ah, moi je suis en train de déstacker quand je me suis fait cibler. Soutien qui fait. Je claque mon truc là. Non, c'est. Claqué.
Bon, ça devrait aller 10%, 8, enfin 6. Je reprends. Bon, on voit que y a quand même pas mal de dégâts qui sont pris à chaque fois. Chaque boule, ça fait mal. Une fois pour deux. Et voilà, il tombe quand même.